Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et toi? Et Bobby? On est sûr que c'est bien si. Oui, on espère que tout le monde va bien. C'est quoi tout ça? On va jouer à passe-patate. Alors passe-patate, c'est le jeu qui est devant Néo. Mais je vois que vous avez aussi des choses dans la main. C'est quoi tout ça? Des serpentins, Swan il a un vrai paquet de chips, mais aussi vous allez jouer sous forme de challenge, non? Et même des crêpes. Alors c'est quoi ce challenge passe-patate? On a une patate qui va faire la musique, et on va devoir la lancer à l'autre. Et au moment où la musique va s'arrêter, et bien celui qui l'aura dans la main aura perdu. D'accord, donc le but du jeu c'est de ne pas avoir la patate sur soi quand elle s'arrête. Et celui qui a perdu, il a une chips, une fausse chips. Une fausse chips, celle qui est dans le paquet. Ouais. D'accord. Et au bout de 3, il a perdu. Et le gagnant, lui, il a une chips. Vraie. Une vraie chips. Une vraie chips. Une fois qu'il y en a un qui a 3 fausses chips, qu'est-ce qui lui arrive? Il a des serpentins. D'accord, il a perdu, donc il prend des serpentins sur la tête. C'est ça. Et le gagnant, lui, il a quoi? Eh bien, il a une surprise. Swan essaye de faire une grosse bêtise. Du calme, du calme, du calme. On n'a pas commencé encore, hein. Est-ce que vous êtes prêts pour le challenge passe-patate? Oui. Allez, c'est parti. Alors, dans la boîte passe-patate, il y a la patate. Et là, voilà, la fameuse patate. Donc, je vous montre de plus près la boîte du jeu passe-patate. Voici aussi les fameuses chips que nous allons découper pour les donner donc aux perdants. Et la fameuse patate. Bah les garçons sont en train de faire des tests. Ah bah voilà justement, je vais pas vous la montrer aussi. Là voici la fameuse patate. Bon elle a une bonne tête hein. Et donc pour la mettre en route, bah, c'est très simple, on lui appuie dessus. Et c'est parti. On va d'abord délimiter vos espaces avec les craies. Donc il y en a un qui a l'espace bleu. Alors l'espace bleu c'est moi. Oui c'est toi qui as les serpentins bleus. Et Swan tu as donc l'espace jaune. Allez, on dessine ça. Est-ce que vous êtes prêts pour le top départ de ce challenge? Oui. Swan, t'es prêt aussi sur ton donut géant? Oui. Oui, apparemment, Swan est très en forme. On a donc délimité l'espace. Vous avez une ligne entre vous deux. Côté bleu pour Néo, côté jaune pour Swan. Si la patate tombe côté bleu, évidemment, voilà, c'est Néo qui perd. Si c'est côté jaune, c'est Swan qui perd au moment où la musique s'arrête. Vous êtes prêts? Ouais, oui. On met en route? Ouais. 3, 2, 1, 0. Jusqu'ici tout va bien. Oh là, Swan qui a déjà perdu la patate. Quoi? Ah, tu l'avais dans la main quand t'es là. Oh non. C'est pour Néo. Je vais avoir une vraie chips. Oui, alors Néo donne une vraie chips à son frère. J'ai de Margaï. Et toi Néo, tu as le bonheur d'avoir une fausse chips. Merveilleux, merci. Voilà. Voilà, une première chips pour Néo. Deuxième partie. 3, 2, 1, 0. Oh là là. Ça va de plus en plus vite la musique. Attention, soit... Là, c'est Swan qui perd, donc il offre une chips. Merci. À son frère. Moi j'ai une fausse chips. Et toi t'as une fausse chips, oui. Tiens petit cœur. Boing. Oh là. Vous avez chacun une fausse chips. Ouais. Pour l'instant, vous êtes à égalité. Oui. On continue? Ouais. Troisième partie. 3, 2, 1, 0. Elle est sortie du terrain, hein. Oh, c'était yes. Pour toi, Swan. C'était pour toi. Du coup, Swan donne une nouvelle chips à Néo. Et tiens, Swan. Hop, encore une chips. Alors, je précise pour les paquets de chips qui sont au fond, pas de placement de produits, hein, les copains et les copines. Il n'y a pas de placement de produits sur notre chaîne. Je le dis et je le répète. Donc non, ce sont des paquets de chips qu'on a achetés nous-mêmes pour le challenge. Vous êtes prêts pour une autre partie? Oui. Allez, on continue. 3, 2, 1, 0. Attention.
Alors d'abord tu dois donner la chips à Néo. Avant toute chose, faisons les choses dans l'ordre. Encore une chips pour Néo qui est content, qui va se régaler. Et toi Swan, regarde, tu récupères une troisième fausse chips. Ce qui fait trois fausses chips pour Swan. Donc effectivement, tu as perdu le premier round. Donc Néo a le droit de t'asperger de serpentin. Oh là, oh là 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 là. Et voilà, première victoire pour Néo qui remporte ce premier round. Et pour sa première surprise, Néo a choisi un mini sachet Lego. C'est la nouvelle collection, donc vous savez que Néo il adore les Lego. Il n'y a pas d'âge au fait pour aimer les Lego. Il y a même des clubs qui existent, les clubs des AFOL. Ce sont les adultes qui sont fans de Lego. Donc pas de souci, Néo peut continuer à les apprécier. Et là c'est la série numéro 17. Pour les surprises, tu les ouvres quand maintenant? À la fin. À la fin? On ouvre à la fin la surprise, t'es d'accord Swan? D'accord. Swan il s'éclate avec son donut géant. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième round? Ouais, oui, je suis prêt. Allez, on récupère les chips et on recommence à zéro. Nous attaquons le deuxième round. C'est bon? Ouais, 3, 2, 1, go! Hot potato! Here we go! C'est reparti! Oh là là! tu dois rester dans l'espace, Swan, hein? C'est Néo. Ah, c'est chacun son tour, hein. Allez, cette fois c'est Néo qui a perdu. Swan, t'as le droit à une chips. Ouais. Une grosse, s'il te plaît, une grosse. Non, mais bien sûr. Une vraie tiens. Chips pour notre bon moment. Une grosse. Je suis gentille. Tiens. Et Néo. Mais dis donc, le tricheur. C'est une fausse chips pour toi, c'est pas une vraie. Merci. Non, Néo. Non, c'est moi qui mets en route. Allez, c'est parti. Oh là là. Oh, oh, il y a une sortie là. Yes. C'est encore pour Swan. Une grande chips pour Néo. Tiens, merci. Et tiens, Swan. Mais c'est impossible ça, vous mangez les chips en même temps. C'est quoi ces tricheurs? Hop, fausse chips pour Swan. On remet en route? Oui. Allez. Oula. Oh là là, mais elle est entre les deux zones là. Oh yes. Effectivement, Swan, elle était encore chez toi quand même, hein. Tu ne l'as pas relancé assez vite. Bon, elle a bien essuyé toute la craie qui était par terre. Parfait. Super, voilà. Formidable. Allez, une nouvelle chips pour Néo. Merci. Mais t'en prends une pour toi à chaque fois. Tiens, petit tricheur là. C'est reparti? Ouais. Swan, là, faut que tu fasses attention, hein. Tiens. Elle était chez Néo quand même, hein. Allez, je vais. Oui, quand même. Elle était chez toi. De justesse, alors, elle était chez toi. Une petite chip pour toi, pas toi. Tiens. Merci. Pas toi, j'aime bien. Lui, il en mange une à chaque fois, mais t'es pas toi, Néo, hein. Et Néo, ou pardon. Oh, merci. Une deuxième fausse chips pour Néo. Vous êtes complètement à égalité. Deux chips chacun. Tintin. C'est reparti. Ouais. C'est une belle et père. Oui. Allez, c'est serré. Quoi? C'est bon. Moi aussi je suis de vert. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Oh non. Ah mais non. Mais il a son idée là. Là, c'est une victoire pour Swan. Ouais. Une bonne chips. Non. Mais dis donc. Voilà, ça c'est une vraie chips. Et Néo, tu as donc une troisième fausse chips. Oh cool, merci. Tadam. Donc là, Swan, tu as le droit d'y mettre des serpentins. Swan, t'as vu de quel côté ça sortait?
vais voir. C'est un petit peu dur. Attends, on va s'occuper de Néo. Et maintenant, maman, salut. Et voilà. Ça, c'est fait. C'est bon comme ça, ça te convient? Oui, ça va. Néo, on dirait que tu es pris dans une toile d'araignée. Tu vas voir ce que je vais dire à Swan après. Alors, en plus, aujourd'hui, Néo a les lunettes hein, pour reposer les yeux par rapport aux lentilles. Et du coup, c'est pas le meilleur jour pour prendre des serpentins. Hein. Non. Et voilà la petite surprise pour Swan. T'as vu, petit cœur? Tiens, hop là! Les garçons, vous avez gagné chacun un round. Est-ce que vous êtes prêts pour le troisième round? 3, 2, 1, c'est... C'est parti! Oh là là! Et voilà! Ça va venir vers toi. Une vraie chips pour Swan et une fausse chips pour Néo. Tiens. On est dans un monde horrible. Vas-y, regarde tout ce qu'il y a. Bah oui, il y en a partout là. Hein. Ta fausse chips. 3, 2, 1, 0. Oula. Triche pas, tu dois rester assis. Enfin, assis ou à genoux au pire, mais pas debout. Oh là. Encore une vraie chips pour Swan et une fausse chips pour Néo. Merci. Et Néo, déjà deux fausses chips là. Hein. Alors, tu te réveilles là. Hein. Moi, j'en ai aucune. Ouais, pour l'instant. 1, 0. Wow. Et oui, elle a rebondi, mais elle était quand même chez toi. C'est Néo qui mange une vraie chips. Ouais, enfin. Et Swan, une fausse chips pour toi. C'est reparti? Ouais. Allez. Go! Le bruitage. Voilà. C'est moi qui comprends. Swan, fausse chips pour toi et ça fait deux fausses chips chacun. Vous êtes à égalité. Go! Allez, partie déterminante pour ce troisième round. Oh là, attention, sortie. C'est dehors. Oh là là. Oh non. Tu veux qu'on regarde sur les rushs? Oui. Alors on vérifie. Après visionnage des rushs, nous avons convenu que la patate avait arrêté de jouer de la musique en l'air, précisément entre les deux espaces. Donc, afin de satisfaire les deux parties, il y a égalité. Et donc, on recommence cette partie. 3, 2, 1, 0. Non, non, non. Ah. Alors là, par contre, Swan, c'est sûr, c'est pour toi, là. Swan, c'est toi qui perds. Une grande chips pour Néo. Merci. Et une petite chips pour Swan le gourmand. Tchouk. Pas si près, pas si près. Là, ouais. Je crois que c'est bon, là. C'est oui, bon. Ça suffit. Ne vide pas toute la bombe. Tu es transformée en araignée. Et donc pour Néo, une deuxième surprise. Ouais. Allez, deuxième surprise. Hop. Merci. Je t'envoie ta deuxième figurine Lego. Nous avons donc deux parties gagnées pour Néo, une partie gagnée pour Swan. Allez, quatrième et dernier round. 3, 2, 1, go. Go. Oula. Super lancé. Doucement. Non mais non mais. Oh, Marcel.
vraie chips pour Swan. Allez. Et une fausse chips pour Néo. Une vraie chips. Et Néo, attention. Merci. Tadam. C'est parti. Ouais, 3, 2, 1, go. Go. Swan, tu es en train d'envahir l'espace de ton frère. Oh non, mais... C'est pour toi, Néo. C'est pour toi. Une vraie chips pour Swan. Oh. Et une fausse pour Néo. Attention, Néo. Merci. C'est parti. 3, 2, 1, go. Go. Ah. Pas la peine. Swan, il attend. T'es pas de chance, Swan. T'es pas de chance. Allez, tu dois une vraie chips à Néo. D'accord. Et tiens, une fausse chips pour toi. Bon. Merci. La délimitation est à peine visible. Hein. Vous arrivez encore à voir la frontière là? Oui, oui, aucun problème. Bien parti, la craie. Hein. On continue? On continue. Allez. 3, 2, 1, go. Go. Néo, tu as donc 3 fausses chips. Trop bien. C'est trop dur pour Swan alors, c'est maman qui prend le relais. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, viens voir. T'inquiète pas, je sais viser quand même. Hein. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon, Néo? Je pense que oui, je t'en as assez, c'est bon? Ouais, c'est bon. Hop là. Les garçons, vous terminez avec une égalité parfaite. 2 surprises chacun. Et oui, Swan, tu as du serpentin sur les chaussettes. Tout à fait. Ça me décore bien. Oui, t'es très beau comme ça. Sais. Ouverture des surprises. Ouverture des surprises. C'est parti. J'ai mon... Oh, trop bien, j'ai le maïs. Le maïs pour Néo. Donc Néo, il commence tout juste cette collection-là. Je l'ai pas eu. Ah ouais. Ouverture de la deuxième surprise de chaque côté. Oula! Ah ouais! Et toi, Léo, t'as quoi? Attends, j'ai un personnage, mais il est pas... Attends, c'est lui? Ah, il y a un personnage mystère? Ouais. Ça serait celui-là? Oh, excellent, dis donc. Ah ouais. Coup de chance. Ah ouais, voici les emblings de Swan. Donc, on a un espèce de singe, c'est ça? C'est oui. Un singe, celui-là? Un gorille. Un gorille. Et l'autre, c'est quoi alors? Un petit mouton. Et du côté de Néo, on a donc Monsieur Maïs. Très rigolo. J'aime bien le maïs. Swan, ce n'est pas un vrai maïs. Hein. Tu ne peux pas le manger, celui-là. Et donc, sur cette nouvelle collection Lego, la série 17, donc il y a de nouveau 16 personnages. Enfin, des fois, c'est 16, des fois, c'est 20. Mais là, c'est 16 personnages. Et il y a donc ce personnage mystère, juste ici, le numéro 16. Et a priori, c'est celui qu'a eu Néo aujourd'hui. Et voilà le fameux personnage mystère. Et Néo l'a eu du deuxième coup. Ouais. Cool. Là, on voit une petite limite et son foulard. Là, on voit sa cape. Et là, on voit un pistolet. Et là, on voit son chapeau. C'est le vrai personnage mystère. C'est ça. Alors, les garçons, c'était comment cette partie de passe-patate? C'était trop bien. Super. Vous êtes bien amusés? Oui. Attendez, je vais chanter quelque chose. Oh là. D'accord, vas-y. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Normalement, il y a des imbouets, mais moi, je les fais pas. D'accord, petit cas. Dans le village, tout est tout calme, le lion est mort ce soir. Plus d'orage, plus de carnage, le lion est mort ce soir. Et à mon table, le redoutable, le lion est mort ce soir.
Viens ma belle, viens ma gazelle, le lion est mort ce soir. C'est très bien petit cœur, t'as bien chanté. Oui. Alors tu sais que l'autre fois tu avais chanté un petit morceau de Vaiana, et les copains et les copines dans les commentaires ils ont trouvé ça super. Ah oui. C'est vrai que c'était bien sympa ce petit challenge là, il y avait de l'animation, des chips, donc ça fait plaisir, des surprises. Ouais, c'était cool. C'était cool. Les copains et les copines, est-ce que vous avez déjà joué à Passe-Patate? Mets un commentaire. Pensez au privé. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt les copains. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager. On fait mal gros. Bisous. On vous adore. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye et plein de bisous. Ah, ça fait du bien.